Créer, innover, fabriquer. Des possibilités parmi d'autres que permettent les nouvelles technologies de l'information. Démonstration avec la cyberbase de Trinité au public lors de ces journées numériques. Dernier temps fort pour cette opération, les ateliers de sensibilisation, avec entre autres un secteur d'avenir pour la Martinique, la programmation. Oui, l'intérêt effectivement était de pouvoir présenter surtout aux jeunes ce qu'est la programmation. Parce que c'est quand même un domaine qui est un peu particulier, qui n'est pas forcément très visuel. C'est difficile d'expliquer visuellement ce qu'on fait. Mais c'est important parce qu'on a besoin de renouveler ce savoir-faire qui est important pour le tissu économique, de pouvoir permettre aux entreprises de capitaliser leur savoir-faire et d'optimiser leur mode de fonctionnement grâce à des logiciels. Quand j'ai commencé ce métier, au départ on me disait qu'il n'y a pas de débouché en informatique, en programmation Martinique. C'est totalement faux. Il y a énormément de choses à faire. Le problème, c'est qu'il faut de la constance, il faut des gens sérieux et il faut... Comment dirais-je ? Il faut bien comprendre que si nous voulons vraiment avoir une valeur ajoutée sur ce type de travail, il faut que ce soit fait en Martinique. Une initiative qui suscite déjà des vocations et un enjeu de territoire, compte tenu des possibilités de création d'emplois dans le secteur. C'est plus maintenant un travail à faire au niveau des populations pour les aider justement à s'approprier tous les outils numériques, notamment tout ce qui est e-administration, e-santé. De plus en plus, des applications sont proposées en ligne, mais si la population n'est pas suffisamment avertie ou familiarisée avec ces techniques et ces technologies, elle sera en décalage. Et ça, c'est quand même un problème qu'il faut qu'on évite. En marge de leur rôle de service, les cyberbases évoluent et vulgarisent l'utilisation du net. On a amené les enfants, les élèves notamment, parce que le thème c'est créer, fabriquer, innover, donc à créer des choses à partir du net, avoir créé des personnages, à exprimer en tout cas toute leur créativité, tout leur potentiel qu'ils ont en eux. Et la cyberbase n'est pas simplement là pour avoir un accès à Internet. On est là pour accompagner vraiment tout le public et de tout âge, les accompagner en tout cas dans cette ère digitale. Thank you.